Mais mec, attends, c'est les putains de Eagles du death metal, ton truc, quoi, c'est pas du death metal, c'est ça. Il est pop. Il essaie de s'amuser avec les tempos. Qu'est-ce que la punk? Découvrons-le ensemble. Si Johnny Hallyday n'a jamais existé... De toute façon, c'est le direct, ça arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de No Fun, votre podcast musical qui se pose les bonnes questions, mais qui aujourd'hui, pour une édition spéciale, veut surtout se focaliser sur un triptyque vital que nous n'abandonnerons jamais. L'amour, le rock'n'roll et le fun, trois choses que veulent nous prendre l'État islamique, trois choses que nous donne le groupe qui se produisait sur la scène du Bataclan vendredi 13 novembre, les Eagles of Death Metal. Eagles of Death Metal, ce nom de groupe n'aura jamais autant tourné dans les médias que ces derniers jours. Pour les amateurs de rock, c'est un groupe phare, mais pour les autres, eh bien, c'est l'inconnu absolu, si bien qu'on a entendu bien des choses au sujet du groupe et ses membres depuis vendredi. Beaucoup d'imbécilités, d'ignorants et de prêcheurs obscurantistes de tous les bords. Beaucoup de récupérations politiques et autant d'approximations. Alors, en hommage à tous ceux présents au Bataclan, on a décidé aujourd'hui de rire, de s'amuser, de discuter et de raconter les Eagles of Death Metal, ce groupe que l'on aime et qui partage avec nous cette folie qu'on appelle l'amour de la vie. Beaucoup de choses à dire donc avec nos invités. Un plateau de choix, Francis Vielle, bonjour. Bonjour. Journaliste et animateur à Move, Luc Frelon, bonjour. Bonjour. Programmateur musical et animateur à FIP et Mathieu Pinault, bonjour. Bonjour. Directeur promo chez Pias Coopérative. No Fun, spécial Eagles of Death Metal, c'est maintenant. Now don't you... Alors on va commencer déjà avec une petite définition Wikipédia rapidement. Les Eagles of Death Metal, c'est quoi et c'est qui, Luc ? C'est un des groupes de rock les plus drôles et jouissifs de ces dernières années. Alors je sais pas si c'est présenté comme ça sur Wikipédia, mais effectivement, ils viennent des États-Unis. Et ils sont d'accord, composés... vraiment Wikipédia pour, ah oui, pour le coup. Oui. Ah bien, c'est un groupe californien qui est en fait un duo à la base, composé de Jesse Electric Boots Hughes à la guitare et au chant et de Baby Duck. Ouais. Qui est en fait Josh Homme, le leader des Queens of the Stone Age, qui s'occupe d'à peu près tout le reste. D'accord. Comment est né un petit peu ce groupe ? Parce que donc il y avait les Queens of the Stone Age qui existaient déjà. Comment est né ce projet entre les deux ? C'est une longue amitié tout ça. Ça remonte au lycée. Ils étaient au lycée ensemble à Palm Springs. Ils se connaissent depuis toujours. Ils se sont toujours suivis. Et puis un jour où Jesse Hughes, je crois que c'était après une rupture où il était un peu au 36e dessous, il avait des morceaux sur son ordinateur, mais il était complètement rincé. Et en fait, c'est Josh Homme qui tombe sur des morceaux sur son ordinateur, qui fait: écoute mec, t'es trop mal, tes morceaux ils sont cool, on va en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé le groupe. Ouais. La légende veut que la légende qui était colportée, qui est toujours colportée par Jesse Hughes, c'est que il aurait, alors qu'il avait une vie complètement différente, il était en fait ghostwriter pour Sonny Bono, à l'époque où il était maire de Palm Springs. Il avait une femme, il avait une vie tout à fait rangée des voitures, après avoir fait des études de journalisme, et il était donc ami d'enfance de Josh Homme. Il serait donc rentré chez lui un soir et serait tombé sur sa femme au lit avec une autre femme. C'est donc l'histoire, vous la connaissez aussi. Ouais. Et de là, au fond du trou, alcool, drogue, etc., son ami Josh vient le sortir de là, il dit: viens, on va enregistrer tes morceaux, ce que disait Jean-Francis à l'instant. Et voilà, les Eagles of Death Metal, qui était un vieux groupe qu'ils avaient au lycée, est rené de ses cendres. Et voilà les Eagles. D'accord. Donc comme quoi on peut passer de la politique au rock'n'roll assez facilement. Est-ce qu'on s'arrête vraiment de faire de la politique quand on fait du rock'n'roll ? C'est la question qu'on aimerait se poser. Le groupe, c'est aussi un look, notamment Jesse Hughes, qui a un petit peu un look particulier, un physique particulier. Est-ce que vous pouvez les tu décrire ? Tu dis ça parce qu'il est roux ? Non, pas du tout. C'est notre connexion. Non, mais par exemple, il a une énorme moustache. Alors ça joue un petit peu du personnage. Le parce que Tom Selleck du rock'n'roll, comme l'appelle Josh Homme. Ouais. Et il y a une expression qui dit que les mots les plus fins sortent des moustaches les plus fines. Bon là, ce sont des grosses moustaches. Ce sont des très très grosses moustaches. Ils ressemblent à quoi ? Ils ont un petit peu un look un peu unique, un peu dans le paysage du rock aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Ouais, ça dépend. En même temps, on l'a vu avec tous les looks. Hein, on l'a vu avec les cheveux longs, on l'a vu gominé en arrière, on l'a vu rasé, on l'a vu barbu, on l'a vu plus souvent moustachu quand même. Pour moi, le look, ce serait peut-être Californian.
Sky Coco Boy, un truc dans le genre. C'est ça. Avec une petite touche redneck. Aussi, ouais, effectivement. De toute façon, il y a beaucoup de. C'est une sorte, effectivement, ce groupe est assez syncrétique de la culture rock américaine dans plein de données qui vont en gros de Black Sabbath à Ted Nugent, en passant par un groupe qui n'est pas un groupe américain, mais Rolling Stone, évidemment. Quand on parle du personnage, on parle du look et puis on parle aussi des tatouages qui racontent généralement beaucoup de choses sur le personnage. Alors tout à l'heure en antenne, avant de commencer l'émission, on parlait d'un tatouage qu'il a avec marqué Pigeons of Sheet Metal. Est-ce que l'un d'entre vous peut raconter un petit peu l'histoire de ce tatouage? Oui, je peux faire ça, elle est assez drôle. En fait, les Eagles of Death Metal, sans Josh, parce qu'il faut savoir que Josh ne tourne que très très peu avec Eagles of Death Metal, il manque de temps du fait de ses activités générales. À l'époque, on prit la première partie sur le second album, ou juste avant le second album, on prit un certain nombre de dates aux États-Unis en première partie de la reformation de Guns N' Roses. Reformation. On va dire une sorte de formation, une remise en route des Guns N' Roses à l'époque. Et Axl Rose, n'assistant pas, mais entendant, semble-t-il, le concert de cette première partie dont il n'avait jamais entendu parler, ni qu'il n'avait jamais écouté, écoute ça et dit: mais c'est quoi ce groupe? Et les mecs disent: ça s'appelle Eagles of Death Metal. Et il dit: mais c'est les Pigeons of Sheet Metal. Et il les a virés de la tournée. Et l'expression a tellement plu à Jesse, et le truc lui a tellement plu de se faire virer de tournée par Axl Rose. C'était tellement mythique pour lui qu'il a décidé de se faire tatouer Pigeons of Sheet Metal et qu'il a fait un t-shirt aussi de ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont tourné autour de ça. D'accord. Est-ce que donc on a dit tout à l'heure que le groupe s'est formé après donc cette fameuse histoire de la tromperie de sa femme. Est-ce que Jesse Hughes n'était pas du tout musicien? Est-ce que donc il a appris comme ça avec Josh Homme? Est-ce que c'est un groupe qui s'est construit? Ils avaient déjà fait un peu ensemble avant. Ils avaient fait un peu de zik ensemble, mais je vous cache pas que quand il est parti sur scène, il a fallu qu'il travaille beaucoup sa guitare parce qu'il n'avait pas le niveau de jeu qu'on a dans les Queens. C'était pas son métier à la base. Il a fini par devenir un assez bon guitariste. Ouais, tu peux voir la différence quand il a fait la tournée pour son album solo Boots Electric. Il a fait un concert au Nouveau Casino. Là, pour le coup, c'était pas les Girls of Death Metal avec lui qui sont tous des musiciens quand même assez rodés, quelle que soit la formation, parce que c'est comme pour les Queens of the Stone Age pendant longtemps à personnel variable. Il y avait sa nana à la basse qui joue assez peu de basse, mais à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas très grave, c'est ça. Son autre métier, c'est actrice porno, faut le savoir. Voilà. C'était. Elle est rangée. Et c'est vrai que donc c'était assez bancal et en même temps toujours super touchant. Voilà, donc c'est là qu'on mesure le truc. Et en même temps, sur ce concert-là, c'est vrai que les meilleurs morceaux, c'est quand il a repris des morceaux des Eagles tout seul à la gratte. Et il faut être honnête, il a vraiment progressé. Moi, j'ai pu observer la progression de ce mec à la gratte. Elle a été claire, ce gars a bossé. J'en parle pas, l'imparfait, c'est faux. Ce mec est pas du tout un fainéant. Il a beau être complètement azimuté, il travaille, c'est un gars qui est très travailleur et il fait des albums avec beaucoup de soin. C'est pas seulement du fun, les Eagles of Death Metal, il y a un travail musical assez sérieux qui fait que les albums progressent techniquement. Vrai parti pris dans la prod à chaque fois. Aussi, ouais. Et petite anecdote guitaristique, moi c'est un peu technique, mais c'est quelque chose qui se sent en tout cas sur les premiers disques. Justement, de par son niveau de guitare, il jouait sur les premiers albums, et peut-être encore même maintenant, en open tuning, c'est-à-dire c'est un accordage particulier qui fait que certains open tuning, tu grattes toutes les cordes à vide, ça te fait déjà un accord. Et il utilisait principalement l'open tuning qu'utilisait Keith Richards dans les Stones pour Brown Sugar, et son truc, qui m'avait dit à une époque en interview, c'est: je veux voir combien d'albums je peux faire avec le même accordage et le même plan de jeu. Et c'est vrai que si on écoute les premiers disques, il y a vraiment ce petit riff Brown Sugar en permanence qui est finalement assez simple à jouer, mais il faut être assez balèze pour réussir à faire des choses. Qu'il a repris au Trianon tout seul en juin dernier. Effectivement. Y a beaucoup de gens qui ont parlé un petit peu du style des Girls of Death Metal. Alors les gens ont pensé que c'était du Death Metal ces derniers jours. C'est beaucoup plus large que ça. C'est même pas du tout. Les gens pensent sous eux assez régulièrement, surtout dans ces circonstances tragiques. Et effectivement, si c'est quelque chose, c'est peut-être du boogie, du hard blues, du rock. C'est peut-être un peu même. On peut qualifier ça de heavy rock parfois. Heavy rock funky. Ouais, c'est ça. Mais c'est certainement pas du death metal, non, ça c'est sûr. On en est très loin, très très loin. Ni dans les thèmes abordés. Non plus. Mais le côté boogie, c'est vrai qu'il commence ses concerts, genre let's boogie. Exactement. We'll be right back.
Alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu de votre expérience des Eagles of Death Metal, puisque vous l'avez interviewé, côtoyé, vu de près, de loin, dans les loges, dans les festivals, etc. Vous, déjà, comment vous avez découvert pour la première fois ce groupe ? Pour ma part, je l'ai découvert à l'époque lorsque le premier album, enfin pas le premier album en fait, le second, est sorti chez Sony. Il était travaillé dans le label Columbia, moi je travaillais chez Epic à l'époque. Et j'avais déjà kiffé, c'était des collègues à moi qui s'en occupaient. J'avais découvert, je peux pas dire que j'avais écouté Peace, Love and Death Metal avant, je l'ai découvert ensuite. C'est comme ça que j'ai eu ma première approche de Eagles of Death Metal. Et puis après, sur Arton, en fait, il se trouve que je travaillais pour la maison de disques qui représentait le label américain où est sorti cet album. Donc je m'en suis occupé, j'ai rencontré comme ça, pour la première fois, Jesse en vrai, tête à tête, aux alentours de 2008. C'est la première fois qu'il est arrivé à Paris, je me rappelle très bien, il dormait dans un hôtel à Bastille, qui était à deux pas du Bataclan. Plutôt à République, pardon, qui était à deux pas du Bataclan, où on allait souvent à l'époque. Et il est arrivé assez tard, son avion avait peut-être un peu de retard, je ne me rappelle plus. Il était 10h30 et tout, il est arrivé, avec sa grande tête d'halluciné, crevé, il me fait. Et je me présente à lui, je viens lui voir, et la deuxième chose qu'il me dit après m'avoir dit « Salut mec, content de te rencontrer, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient nous attendre. T'as pas quelque chose à fumer ? Je suis épuisé. » Et en fait, j'avais rien sur moi. Et puis je lui dis « Bah écoute, non, mais bon, il y a chez moi. » Il me fait « T'habites loin ? » Je suis pas très loin, 20 minutes en taxe. Eh, vas-y, emmène-moi chez toi. Et donc, je me retrouve à embarquer chez moi ce mec roux moustache avec ses yeux de gars qui avait un peu de jet lag dans la gueule. Et on a passé 2 heures chez moi à écouter de la musique en buvant un verre de whisky, il y avait acheté du whisky à l'épicerie à côté et en fumant des joints. C'est ma première rencontre avec. Et le lendemain, on faisait de la promo toute la journée. Ouais. Et on est devenu, je peux pas qualifier Jesse Hughes d'amis, ça serait un peu abusif, mais on est devenu copains, tu vois. Chaque fois qu'il venait à Paris, on travaillait ensemble, on avait des bons moments, on a bouffé ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Francis ? Moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est le côté chaleureux du mec qui est complètement dingue. Moi, j'ai découvert grâce à l'émission, à l'époque où je travaillais sur WFM, il y avait une émission qui s'appelait Guerilla Radio et qui en passait déjà depuis assez tôt. Alors, je ne sais pas si dès le premier album, Peace, Love and Death Metal, mais c'est sûr que sur Death by Sexy, le deuxième album, c'est là où j'ai commencé à entendre un petit peu parler de Eagles of Death Metal. Et je pense que ma première rencontre, ça devait être sur l'album Harton que Mathieu travaillait. Il était venu en interview à WFM. Je crois même pas l'avoir interviewé à ce moment-là. Je pense que je traduisais juste l'interview. Mais direct, il y avait une sorte de connexion. Et en fait, c'était assez marrant. Et puis, c'est un truc que, après, on s'est recroisé plusieurs fois. Et à chaque fois, on reparlait de ça. C'est t'es roux, je suis roux. On a un truc en commun. Et, Axel Rose aussi. Ouais, Axel Rose aussi, mais il faisait pas partie de la bande. Là. Et donc, ouais, je sais pas. Enfin, voilà, il y avait une sorte de petite connexion. Et puis après, enfin, voilà, ça part où on discute. Enfin, le mec est super touchant. On peut parler de tout. Et en général, à la fin de la discussion, il te demande en mariage. Je crois que tous les gens qu'il rencontre, il les demande en mariage. C'est un bon client en interview. C'est un très, très bon client. Plein d'anecdotes, plein de punchlines. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Ouais. Plein de. Enfin, il raconte vraiment des choses. C'est les interviews les plus vivantes que tu puisses faire avec Jesse Hughes. C'est pas Booba le roi de la punchline, c'est Jesse Hughes. C'est Jesse Hughes. D'accord. Luc, une première. Moi, c'était la découverte, c'est venu par un pote qui était très en amont de nous tous sur le stoner et tout ça, donc qui des cailleuses, tout ça, Queen of the Stone Age, et qui pour Peace Love Death Metal m'a parlé du nouveau projet d'un projet de Josh Homme. Et voilà, c'était par ce biais-là. Mais la vraie grosse claque, ça a été Harton. En fait, je suis revenu à Peace Love Death Metal après pas Harton, je dis n'importe quoi. Death by Sexy, le suivant, le second et le deuxième, pardon. Et en revanche, je l'ai jamais. Alors, c'est plein d'expériences live à chaque fois et claque sur claque. Je sais pas. Je me rappelle d'un rock en scène où Josh Homme jouait avec Them Crooked Vultures, mais qui était venu chanter Wannabe NLA à l'arrache. Tout à fait. Le Trianon, je sais plus combien de fois je les ai vus, mais ça c'était voilà. Et non, en revanche, je crois que c'était à ce fameux rock en scène où j'ai assisté une interview de Jesse Hughes par deux camarades de RFI où en punchline voilà, ils essayaient vraiment de le faire parler de l'album. Il en avait vraiment rien à foutre, en fait. Enfin, cool, hein, très cool, mais il y avait pas mal de jolies jeunes femmes qui passaient et non, c'était putain, mais les mecs partir en tournée avec sa nana, c'est comme rapporter du sable à la plage, quoi. C'est que des trucs, voilà, et ça n'arrête pas jamais. C'est ce côté-là, quoi. C'est le fun, c'est tout le temps, quoi. C'est ce qui est assez drôle, c'est que il s'est toujours répandu à longueur d'interview sur son engagement, enfin son engagement, en tout cas du moins son choix républicain, avec le côté caricatural que ça peut avoir, un peu redneck.
Il était membre de la NRA, il disait qu'il était content d'avoir un flingue, il avait plein de choses comme ça. Il critiquait Obama de manière assez cocasse. Mais en même temps, il faut bien savoir que c'est probablement le mec le plus libéral, un des mecs les plus libéraux que je connais, en tout cas parmi les Américains. C'est le mec de droite le plus cool du monde. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté. Bon, c'est un mec de droite qui est fan de porno. Et c'est un libertarien. Qui prend du speed et qui est plutôt du genre à avoir un mode de vie assez décadent. Ouais, il a ce côté assez drôle. Il se ménage pas la santé, notre ami d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. On peut le voir parfois quand on le voit arriver après 2 semaines de tournée. Il est fatigué. Ouais. En concert aussi, c'est assez particulier. Quoi. Voilà, il a une personnalité un peu de pile électrique à 100%. Mais c'est généreux. C'est la générosité en permanence. Le mec, il prêche. Il prêche. Déjà, il y a son côté où d'ailleurs, il s'est fait ordonner preacher de je sais pas quelle église, sûrement la sienne qu'il a créée ou un truc comme ça. Enfin bref, parce qu'il est fan de Little Richard a fait ça, on fait pareil. Et ouais, sur scène, il prêche et puis il donne vachement. Il est toujours content d'être là. Il danse. Avec ses propres mouvements, mais il danse beaucoup. Je sais pas, il y a un truc, t'as la banane quand tu vois un concert d'Eagles of Death Metal, t'es heureux. Quoi. Je pense qu'il dit au moins une bonne 10-12 de fois par concert au public qu'il les aime. Ouais. I love you. Ouais. I love you. Et ça a l'air sincère en fait. Tout à fait. Ça a l'air sincère. Tout à fait. Et pour une petite anecdote perso, où justement on parlait de ce concert à Rock en Seine, moi je me souviens que je l'avais croisé avant, je devais bosser, normalement j'étais à l'antenne pour le Move, et Jesse fait ouais, non mais attends, viens, j'ai envie qu'il y ait des potes, qu'il y ait des visages un peu familier dans la loge avant que je monte sur scène. Bon bah ok, j'essaye de me libérer, tout ça, je me débrouille, on y va. Je pense que Mathieu t'étais là aussi, et puis ces gens ils nous amènent tous au pied de la scène, tous un gros hug avant de monter sur scène, machin. Enfin c'est rare quand même des artistes comme ça, alors que tu vois, enfin pareil, je peux pas dire que c'est un ami, on se croise, on est content de se voir quand on se croise, mais c'est un roux. Mais c'est un roux par contre, là il y a une grosse connexion. Alors comme dernière question, je voudrais juste vous poser, quel est votre morceau des Eagles of Death Metal préféré ? Si vous deviez en conseiller un, ou un album, conseiller un album. C'est dur. C'est simple parce que c'était le single, un peu le tube du précédent album, I Wanna Be In LA. Moi, ce morceau, je le surkiffe parce que juste, je crois que le disque venait juste de sortir et puis l'une des fois, comme si j'étais allé 15 000 fois, mais où je me retrouve à Los Angeles en sortant de l'aéroport, en louant la bagnole, premier titre que je mets, en prenant la route sur Los Angeles, et là tu fais ok, tout est complet, c'est parfait. Je suis un peu comme Francis, j'adore Wanna Be In LA. La raison aussi, c'est parce que c'est le single du premier album que j'ai travaillé de Eagles of Death Metal, mais j'aime aussi beaucoup une chanson de l'album d'avant qui est cartonne sur scène, qui s'appelle Cherry Cola, qui est extraordinaire. Qui avait été utilisé pour une pub d'ailleurs, parce que les gens pensent qu'ils connaissent pas Eagles of Death Metal, mais vous l'avez entendu dans des pubs pour des marques sportives, je crois, ou des trucs comme ça. Alors là, je suis super emmerdé parce que ça pourrait changer. On ferait l'émission demain, ça serait. Il y a des morceaux sur le premier Speaking. Enfin, je sais plus, j'en sais rien. Anything Except the Truth sur Arton, qui a un côté ultra glam. C'est voilà, un peu comme si Mark Bolan s'était laissé pousser les poils, quoi. Enfin, ailleurs que sur la tête, il y a un truc assez canon. Et puis, bah, Wanna Be In LA avec Francis, ça nous arrive assez souvent de passer des disques dans des endroits divers et variés. Je pense que c'est le morceau que j'ai joué en toutes circonstances, n'importe où, et qui a cartonné absolument à chaque fois que les gens écoutaient les Eagles of Death Metal, avant ou pas, quoi. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci, Luc. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste faire un petit aparté, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais passer le salut à mon ami Arnaud Mersman, qui est à l'hôpital en ce moment, qui est le tourneur chez nous Productions de Eagles of Death Metal, qui les aimait beaucoup, qui travaille depuis des années avec eux, qui a l'air d'être tiré d'affaire. J'espère pour lui. Je voudrais passer le bonjour aussi à Delphine Ferré qui s'en occupait chez Columbia, qui était là vendredi soir. Et je sais pas, j'ai pas de nouvelles, mais d'après ce que je sais, elle va bien. Et puis surtout à mon ami Thomas Hayat qui s'en occupait en ce moment même et qui est parmi la liste des victimes, dont j'étais extrêmement fier d'avoir passé le relais pour s'occuper de ce groupe dont il était très très heureux de s'occuper. Voilà. C'est vrai qu'on a tous été autour de la table pas mal touchés de près ou de loin par ces événements de vendredi dernier. On pense bien entendu à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous les trois. Merci Luc Frelon de FIP. Merci à Francis Viel de Move. Et puis merci donc à Mathieu Pinault de Pias Coopérative. On se retrouve bientôt. Thank you. Est-ce que tu peux le remercier ? T'es bon ! Ça suffit maintenant !